Oh non! Comment a-t-il fait? Je blaise! Oh, t'as vu? Il a toujours ses super pneus fabuleux! Ah, je dois vite reprendre la course! Blaze ne doit pas remporter la course de l'île de lave. Il doit exister un moyen de l'arrêter une bonne fois pour toutes. Un moyen comme... celui-ci. Attention, Blaze! Non, t'as écrou. Crusher a fermé toutes les portes du tunnel. Et le seul passage se trouve tout là-haut au plafond. Alors, dans ce cas, il va falloir rouler la tête à l'envers. Tu veux rouler au plafond? Comment va-t-on y arriver? On peut utiliser nos super pneus fabuleux. Oui! Changeons la surface des pneus pour avoir le pouvoir de l'aimant. Avec le pouvoir de l'aimant, on peut rouler sur ces murs en métal et la tête à l'envers sur le plafond en métal. Pour donner à nos pneus le pouvoir de l'aimant, dis pouvoir de l'aimant! Pouvoir de l'aimant! C'est parti! On peut rouler partout! Oh, on est collé au plafond! Restez bien accrochés! Ouais! Et le tour est joué! On a utilisé le pouvoir de l'aimant! Oh oh! Une autre porte a été fermée! Ok! Aide-nous à savoir où il faut qu'on roule cette fois! Pour passer par cette ouverture, faut-il qu'on roule sur le sol, le mur ou le plafond? Le mur, oui! C'est parti! Attention, Blaze! Oh. Une autre porte de sécurité! Pour passer par cette ouverture, doit-on rouler sur le sol, le mur ou le plafond? Le sol, exact! Bien joué! Et voilà la dernière porte! Pour passer, doit-on rouler sur le sol, le mur ou le plafond? Le plafond. Wow. On a réussi. Prochain arrêt, la ligne d'arrivée. Écrou. Un jet de lave a détruit une partie du pont. Mince alors, il n'y a plus qu'une seule monster machine capable de franchir la ligne d'arrivée. Et devinez quoi? C'est moi! On ne peut pas laisser la victoire à Crusher. Et sans cette partie du pont, on ne pourra jamais atteindre l'île de lave. À moins qu'on puisse rouler directement sur la lave. Rouler sur la lave brûlante? Blaze, c'est impossible! Mais non, rien n'est impossible quand on est équipé de pneus fabuleux! Oui! Excellente réponse! Pour donner à nos pneus le pouvoir de rouler sur la lave, dis pneu spécial lave! Pneu spécial lave! Attention, île de lave! Nous voilà! Personne ne me dépassera avant la ligne d'arrivée. Et surtout pas Blaze, hein? Oh, c'est pneu fabuleux! Je connais le meilleur moyen de fêter cette belle victoire. Le pouvoir de la fête! On va construire les éléments pour que je devienne une catapulte. Premièrement, on a besoin d'un récipient pour y mettre les bombes à eau. Pour fabriquer le récipient, dis récipient. Récipient! Super! Maintenant, il nous faut une poutre qui se balance quand on lance quelque chose. Pour fabriquer la poutre, dis... Poutre!
poutre. Pour finir, l'élément le plus important, l'élastique. Quand on tire sur l'élastique, il emmagasine l'énergie potentielle qui est nécessaire pour lancer. Pour fabriquer l'élastique, dit élastique. Élastique. Oh, ouais. Je suis une catapulte Monster Machine. Messire Blaze, nous avons rempli tous les ballons avec de l'eau. Oui, ils sont prêts pour la catapulte. Bon travail, les chevaliers. Allez, je vais partir à l'assaut de ces dragons enflammés. Oui. Hurrah. Oui. Bonne chance, Messire Blaze. Tirons sur l'élastique. Grâce à ça, on a assez d'énergie potentielle et on est prêt à tout lancer. On dirait bien qu'un dragon se dirige par ici, mais je ne le vois pas. Aide-nous à chercher le dragon. Quand tu vois le dragon, dis dragon. Dragon! Touché! Joli coup, Messire Blaze! Attention, j'ai l'impression que plusieurs dragons viennent par ici. On va utiliser la catapulte pour arrêter tous les dragons avec les bombes à eau. Dès que tu vois un dragon, dis dragon. Dragon! Génial! Il ne reste plus qu'un seul dragon enflammé. Dès que tu vois le dernier dragon, crie dragon! Dragon! Ouais! On les a tous neutralisés! Regarde, Crusher est presque à la ligne d'arrivée. Il faut qu'on le rattrape. On va utiliser la vitesse explosive. Pour me faire atteindre la vitesse explosive et me faire aller encore plus vite, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Bonjour, Messire Crusher. Quoi? Encore toi? On dirait que c'est l'occasion de savoir qui va le plus vite, une bonne fois pour toutes. On se retrouve sur la ligne d'arrivée, Messire Blaze. Ça va le ralentir à coup sûr. Une boule debout, attention. Cette fois-ci, tu ne mourras pas. Oh non. Oh. Le grand gagnant de la course royale est Messire Blaze. Une victoire amplement méritée, preux chevalier. Tu es un champion au cœur pur. Hein? Le roi. Oh, le roi. Oyez, 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 oyez. Puisque vous êtes le gagnant de la course royale, j'ai le grand plaisir de vous remettre, Messire Blaze, oh, le trophée de l'épée dorée. Waouh! Tu as vu, Crusher? Il y a un adorable petit requin qui essaie de nous rattraper! Oh non, c'est Blaze! Oh oh oh! Blaze, le requin va vraiment vite! C'est sûrement grâce à sa forme profilée! Je ne peux pas laisser Blaze, le requin, s'emparer de la couronne avant moi!
Il faut que je trouve le moyen de bloquer ce tunnel pour pas qu'il nous suive. J'ai trouvé comment bloquer le tunnel. À l'aide d'une pieuvre robot géante. Attention, Blaze. Wow. Cette pieuvre géante bloque complètement l'entrée du tunnel. Je vais essayer de la pousser hors du passage. Oh. Wow. Nom d'un aileron, cette pieuvre robot est beaucoup trop lourde. Comment on va faire pour la déplacer? Elle est peut-être trop lourde pour qu'on la pousse, mais elle n'est pas trop grosse pour flotter. Quand quelque chose flotte, il remonte à la surface de l'eau. Alors si on attache suffisamment de flotteurs aux tentacules de la pieuvre, elle sera entraînée à la surface et la voie sera libre. Regarde là-bas, on va sûrement pouvoir trouver des flotteurs dans cette vieille épave. Venez, on va aller voir. Apparemment, il y a des fourchettes dans ce coffre. Et dans celui-ci, il y a des ballons de plage. Si je les lâche dans l'eau, lequel des deux va flotter? La fourchette ou le ballon de plage? On va faire le test. Le ballon de plage, il flotte. Les ballons de plage flottent car ils sont remplis d'air. Allons chercher tous les ballons de plage pour les attacher aux tentacules de la pieuvre. Youpi! Ça marche! Certains des tentacules de la pieuvre sont entraînés vers la surface de l'eau. Allez, venez! Allons chercher d'autres objets qui flottent. Ce coffre est rempli de marteaux. Et ce coffre-là contient des chambres à air. Lequel des deux va flotter? Le marteau ou la chambre à air? On va refaire le test. C'est la chambre à air qui flotte. Même si elle est plus grande que le marteau, l'air à l'intérieur de la chambre à air la fait flotter. Regarde, presque tous les tentacules de la pieuvre flottent. Il nous faut un dernier objet flottant pour qu'elle remonte à la surface. J'ai trouvé un tambour et une poêle à frire. Lequel des deux va flotter? On fait le test. Le tambour flotte! Oui, parce qu'il est également rempli d'air. C'est parti! Youpi! On a réussi! La pieuvre robot est entraînée vers la surface. Bien joué! Youpi! On a récupéré la couronne! Je me demande où Crusher et son sous-marin sont passés. Bah, on s'en sort pas si mal finalement. Oh oh! Bravo, bien joué, Blaze et AJ. On savait que vous y arriveriez. Maintenant que vous avez votre couronne, vous allez enfin pouvoir choisir votre roi. Animaux de l'île aux animaux, qui allons-nous choisir comme nouveau roi? D'abord, il faut que ce soit quelqu'un de très serviable. Et puis de gentil. Quelqu'un qui est ami avec tous les habitants de l'île. La Monster Machine que l'on choisit pour devenir le roi de l'île aux animaux est... Blaze! Wow! J'arrive pas à le croire! Je suis le roi de l'île aux animaux! On doit sortir de là avant que le départ soit donné. On essaie, Gabi. Quand tu veux. Il n'y a rien à faire, cette bulle est trop solide. On n'arrivera jamais à la trouer. Tiens, regarde, voilà nos sauveurs. Blaze, Rox, on
craindre, on s'occupe de vous. Watt, par là, regarde, une grue. Si on la met en marche, on pourra manœuvrer pour monter vers la bulle. Prépare-toi, Blaze. Je vais mettre en route la grue en utilisant ma charge électrique maximale. Ça alors, rien à faire, elle ne se met pas en marche. Pour alimenter la grue en électricité, il va nous en falloir une grande quantité si on veut qu'elle arrive jusqu'en haut. À vrai dire, voilà de combien on aura besoin. 12 ampères. Oh là là, je n'ai jamais fourni autant d'électricité. Mais je vais quand même essayer. Approche-toi, aide-moi à envoyer 12 ampères d'électricité. Compte jusqu'à 12 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wouhou ! T'as réussi, Watt ! Ton électricité alimente toute la grue. Elle s'est mise en marche. Allons sauver nos amis. Oui. Attachez vos ceintures, les amis! On commence la descente! Oh, bravo! Vous nous avez délivrés! Et en plus, juste à temps! La course n'a pas encore commencé! La course? Je l'avais presque oubliée! On va avoir du mal à y être pour le départ! Je crois qu'on va avoir recours à ma vitesse explosive! Pour me donner le pouvoir d'aller super vite, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Mesdames et messieurs les camions, le moment tant attendu est arrivé. Place à la course! Blaze, Blaze, Blaze! Bien, est-ce que les concurrents sont prêts? Moi, oui, de toute façon, il n'y a que moi. À vos marques, prêts. Stop, attendez une seconde. Non, on n'attend pas. Se pourrait-il que... J'espère pas. Oh, la plaise, il y a Jay, ainsi que Watts et Gabi. Oh, ils sont de retour. Coucou, Crusher. Je t'avais dit qu'on reviendrait. Oh, non. Non. Concurrents, à vos marques, attention, prêt, parfait. Derrière moi, je dois les empêcher de me dépasser. Il faut que je triche. Oh, attention devant. Crusher a mis un barrage sur la piste. Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. AJ, Gabi, appuyez sur les champignons. Électrisante. Oh, regardez, la pâtisserie est juste en face. Waouh. Et je parie que c'est le gâteau de Darrington. Voilà, messieurs, le gâteau est prêt. Ouh, wow. J'en ai jamais vu d'aussi gros. Et ils sont vraiment très bons. Je suis sûr que Darrington va l'adorer. Et oui, il ne reste plus qu'à trouver les bougies à poser dessus. Venez avec moi, je vais vous les donner. C'est en effet un énorme gâteau. Il a l'air délicieux. Il me faut ce gâteau, il faut que je le mange. Et pour y arriver, j'ai besoin d'un robot plat volant. Ah, allez, robot plat volant, rapporte-moi ce gâteau. Oh,
robot plat volant. Accélère un petit peu. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Oh, oh. Gâteau, reviens. Et voilà, il est temps de retourner à la fête d'anniversaire de Darrington avec son gros et appétissant gâteau. Oh non! Le gâteau est en train de s'envoler! Arrête-toi! J'ai envie de te manger! Reviens! Reviens, gâteau! Nom d'une durite! Crusher essaie de l'attraper! Mais c'est le gâteau d'anniversaire de Darrington! Allez, grimpe vite! Il faut qu'on mette la main sur ce gâteau avant Crusher! Suivons ce gâteau! Cette fois-ci, je suis sûr que tu ne m'échapperas pas! Hein? Je l'ai! Il est enfin à moi! Oh! Je sens que ça va être un vrai régal! Oh. Oh, oh. Un autre gâteau se balade dans le ciel! Tu te lanceras à sa poursuite après celui-là? Non! Non, mais attends! C'est le même gâteau! Oh! Dans ce cas, qu'est-ce que t'as pêché? Encore cet oiseau! Oh. Ah. Aïe, aïe, aïe. Regarde, le gâteau est juste là. J'y suis presque. J'y suis presque. Il faut se dépêcher ou Crusher mangera le gâteau de Darrington. Il nous manque juste encore un tout petit peu d'énergie cinétique. Vous avez entendu? Je parie que c'est un autre mouflon. Hé, hey, le mouflon! On a besoin d'un coup de corne. Donne-nous toute l'énergie cinétique que tu peux. Cette fois ça y est, je vais enfin pouvoir manger ce gros et magnifique. On y est arrivé. On a sauvé le gâteau d'anniversaire. Mais j'y pense, le moment est peut-être venu d'ouvrir cette lettre. Oh, si tu veux. Oh, Pickle! On a reçu une invitation! Une invitation à l'anniversaire de Darrington! Tu comprends ce que ça veut dire? Non! Quoi donc? Ça veut dire qu'on va aller faire la fête! On va manger du gâteau! On va aller faire la fête! Et on va manger du gâteau! Oh, Blaze est de retour! Et il a mon gâteau! Impeccable! Yeah! Il l'a fait pile au bon moment. Joyeux anniversaire, Darrington. Soyez tous les bienvenus. C'est l'heure de faire la fête. Sur les côtés. Sur les côtés. Zing. Oh, j'adore, il est drôle ce toboggan. Désolé. Délicieux. Blaze, grâce à toi, j'ai passé le meilleur anniversaire de ma vie. C'était un plaisir, Darrington. Joyeux anniversaire. Ne t'inquiète pas, celui-là n'a pas l'air dangereux. Crusher, Pickle, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, c'est une longue histoire. C'est sûrement rien de grave, mais en fait... C'est Crusher qui les a fait. Oups. Non d'un pneu. C'est un robot mange-tout. Et ça, c'est un robot jette-tout. Et cette énorme machine, c'est un robot casse-tout. Je dois mettre ces robots hors d'état de nuire avant qu'ils ne détruisent toute la ville. Arrêtez tout de suite, vilain robot. Ces robots sont bien plus puissants que je ne le croyais. Blaze, content que tu n'aies rien.
Merci, mini-robot. Bon, bah, si Blaise n'est pas assez fort pour arrêter ces robots ravagent tout, je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire. Paniquer? Oui, exactement. Une petite minute. Il doit bien y avoir un moyen pour arrêter ces robots ravageurs. Et si on fabriquait notre propre robot? Un robot aussi gros et aussi fort que les robots ravagent tout. Ouais. La 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 la, doubi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 d
Tiens bon, Stripes! Merci, Blaze. Hé, hey, les copains! Par ici! Je crois que cette fois, c'est Starla. Tiens bon, Starla! On va te retrouver! Regarde attentivement. Dès que tu vois Starla, dis Starla! Starla! Ça fait plaisir de vous revoir! Ça va mieux? Oh que oui! Merci pour ce coup de projecteur! Youhou! Pas oublier Zeg! J'ai l'impression que Zeg est coincé de ce côté-là. Tu veux bien nous aider à le repérer? Dès que tu vois Zeg, dis Zeg! Zeg! On va te tirer de là! Blaise, sauver Zeg! Oh, merci, merci, merci! Mais je t'en prie, c'est normal. Et maintenant qu'on a retrouvé notre liberté, on va vite reprendre notre course. Attendez, les copains! Avant ça, il serait peut-être bien de faire une chose, rétablir le courant de la fête foraine! Pour qu'on aille tous ensemble à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Wouhouhou! Yippie! Wouhou! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! Valide de l'espace! Démarrez vos moteurs à propulsion! À vos marques! Et... partez! Vas-y, Paul, accélère! C'est la course interplanétaire! Oh, 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 oh. Vol dans l'espace! Au milieu des étoiles, avec Blaze, le vaisseau spatial! Oh, oh, oh. À travers l'espace, l'espace et l'univers, l'espace, oh, oh, oh. Vol, vol, vol. L'espace, l'espace va sans t'arrêter dans la galaxie jusqu'à l'arrivée. Oh, 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 oh. L'espace, oh, 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 oh. Vol dans l'espace. Quelque chose m'a foncé dedans. Tous fait rentrer dedans. On aurait dit des mouflons de l'espace. Nom d'une étoile, c'est une catastrophe. On ne pourra pas finir la course si on ne trouve pas un moyen d'esquiver ces mouflons. Ne vous en faites pas, les amis. On réussira à tous les esquiver. Oh oui, il suffira de faire un écart avec nos vaisseaux pour les empêcher de nous rentrer dedans. Et pour ça, on utilisera la poussée. Oh. Jusqu'à maintenant, nos moteurs ont produit une force de poussée qui nous projetait vers l'avant. Mais si on les incline selon un autre angle, la puissance qu'ils dégagent va créer une poussée qui nous projettera vers le haut, ou bien vers le bas, ou dans n'importe quelle autre direction qu'on voudra prendre. Vite! Changement de direction de poussée! Ton esquive était magnifique, Blaze! Allez, venez, on continue! Suivez-moi! Youpi! Repérer les autres mouflons de l'espace. On doit les éviter pour avancer. Dès que tu vois un mouflon de l'espace, dis mouflon de l'espace. Mouflon de l'espace. Changement de direction de poussée. Bien joué, les amis. Quelle excellente maîtrise de la force de poussée. Il nous
reste plus qu'un seul mouflon de l'espace. Tu peux nous aider à le repérer? Dès que tu vois le dernier mouflon de l'espace, dis « mouflon de l'espace ». Mouflon de l'espace. Changement de direction de poussée. On arrive. Quelle esquive magnifique, astronaute AJ. Et quel vol impressionnant au vaisseau spatial Blaze. Regardez là-bas. Vous voyez cette planète? C'est là que se trouve la ligne d'arrivée. Oh non, Crusher y est presque. Je vais gagner la super course de l'espace et devenir le champion de tout l'univers. Moi, Cosmic Crusher. Pour nous donner à moi et à mes amis la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Quasiment arrivé. Tout ce qu'il me manque, c'est une photo de moi en train de gagner la course. Dis oui, on a réussi. On a gagné la super course spatiale. Alors la famille, prêt à rouler? Oh oui. Évidemment qu'on est prêt. La première course, j'ai tellement hâte. Ne commencez pas à vous emballer, la famille Blaze, parce que tout le monde sait que c'est moi qui vais gagner cette course. Ça, c'est ce qu'on verra, Crusher. Pas vrai, la famille? Oui. Tout à fait. Ils ont chauffé les moteurs. À vos marques. Prêt. Je ne peux pas laisser Blaze et sa famille franchir la ligne d'arrivée avant moi. Je dois les arrêter avec la plus grosse tricherie de toutes. Je vais faire un robot lanceur de tacos. Wow, attention. Oh, attention. Nom d'un boulon, ces tacos sont vraiment énormes. Il doit y avoir un moyen de réussir à les contourner. On peut pas abandonner maintenant. Attendez, la famille, je viens d'avoir une idée. Laquelle, Blaze? On pourrait construire une machine suffisamment puissante pour détruire ces tacos géants. Oui, je sais exactement quelle machine il nous faut pour détruire des gros objets lourds. Une grue avec une boule de démolition. Je suis une grue de démolition? Monster Machine. Ça te va bien, Blaze? Merci. Allez, en voiture, AJ. Oui, il est temps de détruire des tacos. Très joli coup, Blaze. Merci, ma famille. Maintenant, suivez-moi. Blaze, là. Le robot s'apprête à envoyer d'autres tacos géants. Non, Tundurite, il y en a beaucoup. Je me demande combien de tacos nous aurons à détruire. Je sais quoi faire, Blaze. Il faut une estimation. Oui. Devine combien il y a de tacos. 4 ou 8? 4. Il va donc nous falloir environ 4 coups. Je crois que tu auras besoin de l'aide de... Maman Grue de démolition. Bien joué. Quel joli coup. Et regardez, on a presque réussi à dépasser ce robot lanceur de tacos. Mais il s'apprête à en lancer une dernière fois. Devine combien il y a de tacos cette fois-ci. 5 ou 10? 10. Ouais. 10 tacos. Ça va nous demander beaucoup de démolition. Ne vous inquiétez pas. Démolition égale grue de démolition est là. Prends ça. Et ça. Oh, oh,
Rien ne peut nous arrêter lorsqu'on s'y met ensemble, parce que nous sommes la famille Blaze. Nom d'un boulon, Crusher est bientôt à la ligne d'arrivée. Ne vous en faites pas, on peut encore le battre, parce qu'on a quelque chose que les autres familles n'ont pas. La vitesse explosive. Vitesse explosive, vitesse explosive. J'espérais que tu allais dire ça. Oh oui. Force Blaze. Oh wow! Crusher est toujours en tête, mais Blaze et sa famille arrivent à toute vitesse. Vous entendez ce bruit? On dirait bruit d'aspirateur! Non! Ce ne sont pas des aspirateurs, mais des pièges aspirants! Blaze, fais attention! Blaze! On est coincé! Pas pouvoir sortir! Nom d'un écrou! Nos amis sont coincés dans les pièges aspirants. Il faut qu'on les aide à en sortir. Oui, mais comment va-t-on faire? On ne peut pas voir dans quel piège ils sont. On doit trouver un moyen de regarder à l'intérieur de ces pièges. J'ai trouvé, AJ. Ce qu'il nous faut, ce sont des rayons X. Oui, une machine à rayons X s'appelle un appareil de radiographie. Quand on l'allume, il envoie des photons spéciaux qui traversent les choses et permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec cette machine, on pourrait voir ce qu'il y a dans les pièges et retrouver nos amis. Ah, ouais, je suis un appareil de radiographie. Monster Machine. Trop cool. Blaze, AJ, là-haut. J'entends la voix de Stripes. Il doit se trouver dans un de ces pièges là-bas. On va utiliser les rayons X pour le chercher. Activation du faisceau de rayons X. Regarde les pièges aspirants. Quand tu vois Stripes, dis Stripes. Stripes! Tiens bon, Stripes! Wow! Et voilà! Merci, Blaze! Activation du faisceau de rayon X! Quand tu vois Zeg, dis Zeg! 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 Ouais! Beau travail, Blaze! Tu nous as tous délivrés de ces pièges aspirants! Regardez! C'est la Coupe des Champions! Et on dirait que la pince volante va bientôt tomber en panne! Je vais enfin attraper la Coupe des Champions! Wow! On a su! Ouais! Youhou! Tu as réussi, Blaze! Blaze, avoir sauvé trophée! Oh, c'est pas juste! Un peu plus et cette coupe n'aurait été rien qu'à moi! 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 Allons, Crusher! Tu ne peux pas prendre une coupe comme ça! Mais alors, comment je peux faire pour en avoir une? Tu le sais bien, voyons! Si tu veux une coupe, il faut la gagner! Oui! En faisant quelque chose de remarquable, comme gagner une course. Oh, c'est vrai que ça semble plus juste que de la voler. Pourquoi tu ne participerais pas à la course des champions avec nous? Comme ça, tu pourras essayer de la gagner, cette coupe, de façon juste et honnête. Bon, eh bien, c'est d'accord. Je vais participer. Que tous les participants s'avancent. À vos marques. Prêts. Partez. Les participants sont au coude à coude. Lequel décrochera la première place et remportera la coupe du championnat? C'est...
C'est une égalité parfaite. Blaze, Starla, Zeg, Stripes et Crusher ont tous franchi la ligne d'arrivée en même temps. Ils ont tous gagné la course. Bravo, vous avez tous fait une belle course. Ah, j'arrive pas à y croire. Tous les cinq avoir gagné course de champion. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire? Il y a cinq gagnants et une seule coupe pour tout le monde. Peut-être pas, Crusher. Regarde. Par le chapeau de Buffalo Bill, la coupe des champions se divise en plusieurs coupes. Wow, il y a une coupe pour moi. Une pour Zeg. Youpi. Une pour Stripes. Une pour Starla. Wouh. Et une pour Crusher. J'en reviens pas. J'ai réussi. J'ai enfin gagné une coupe. Et elle est rien qu'à moi. Encore un petit effort. Il suffit d'accélérer un peu pour gagner la course. Oui, c'est vrai. Je peux rouler plus vite. Mais il est bien plus simple de gagner en volant plus vite grâce à ceci. De super réacteurs de triche en kit. Oh zut, je peux pas m'en servir. J'ai dit à Blaze que j'arrêtais la triche pour de bon. Oh, il faut absolument que je l'utilise. C'est des super réacteurs de triche en kit. Vous êtes prêts les réacteurs? Emmenez-moi là-bas. Crusher. Oh non, il est parti dans la mauvaise direction et il vole vite en plus. Ne t'inquiète pas, Crusher, on va te tirer d'affaire. Regarde, les réacteurs de Crusher ont chacun un bouton off. Si on arrive à appuyer dessus, ils arrêteront de fonctionner. Et il n'y a qu'une chose qui peut nous propulser assez haut pour appuyer sur ces boutons. Une longue rampe. Rappelle-toi, une rampe permet d'accéder à un point situé en hauteur. Si on emprunte une rampe très vite, on sera propulsé dans les airs. Hé, hey, tu as vu? Ces rochers forment des rampes. Si on emprunte le rocher violet, on atteindra cette hauteur. Et si on emprunte le rocher brun, on atteindra cette hauteur. Quel rocher nous permet d'aller le plus haut? Le rocher brun, c'est ça. Ils ont réussi à éteindre un réacteur. Mais il y en a deux qui marchent encore. Vite, dépêchons-nous de trouver une autre rampe. Regarde, ces dunes forment des rampes. Si on emprunte la dune jaune, on atteindra cette hauteur. Et si on emprunte la dune rouge, on atteindra cette hauteur. Quelle dune nous permet d'aller le plus haut? La dune rouge. Bien joué. Chouette, il n'y a plus qu'un réacteur à désactiver. Mais ils ont intérêt à appuyer sur le bouton sans tarder parce que je vais rentrer dans un château d'eau. Vite, on doit absolument trouver une autre rampe. Tu as vu ça? Ces vieux morceaux de voie ferrée forment des rampes. Si on emprunte les rails bleus, on atteindra cette hauteur. Si on emprunte les rails verts, on atteindra cette hauteur. Et si on emprunte les rails violets, on atteindra cette hauteur. Quels rails nous permettent d'aller le plus haut? Les rails verts. Pas de collision. Ravi de voir que tu n'as rien. Oh, vous voyez ce que je vois? Oh, c'est la ligne d'arrivée. Oh, mais les autres équipes y sont presque. On ne va pas gagner, c'est fichu. Ne pleure pas, on va pas s'avouer vaincu. On forme une équipe et on a encore des chances de gagner la course, du moment qu'on n'utilise pas la moindre technique de triche. Pas la moindre petite tricherie? Mais je doute de pouvoir y arriver. Tu es tout à fait capable de gagner sans tricher. Je suis prêt à le parier. Oh, peut-être que c'est vrai. Peut-être que pour une fois, je peux faire preuve d'honnêteté. Ouais. Ouais, à la bonne heure. Dans ce cas, il faut que je fonce. Ouais. Allez, Crusher. Il n'y a plus qu'une équipe à dépasser, mais elle a presque atteint la ligne d'arrivée.
Tiens bon, Crusher, tu peux y arriver. Je ne vais pas tricher. Je ne vais pas tricher. Je ne vais pas tricher. La course est terminée, Crusher. On a gagné. Quoi? On a gagné? Oh, on a gagné. Félicitations, cher coéquipier. On savait bien que tu allais y arriver. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu as réussi sans tricher. Je suis fier de moi. J'ai gagné sans tricher. C'est le bon goût de la victoire. Bravo, Marc. Prêt? Parfait. Mais les gars, c'est parti. Sans le moteur rugir. Mais les gars, c'est parti. Faites-toi plaisir. Dans la roue, dans la roue. Vas-y, c'est ma santé. C'est pas vrai. Si on veut aller jusqu'au paquet cadeau doré, il faut qu'on trouve un moyen pour se débarrasser de ces gardes géants qui bloquent le passage. Attendez, j'ai peut-être une idée. Ce qu'il nous faudrait, c'est un objet volumineux, lourd et qui roule. Tu as raison. On pourrait l'envoyer vers les gardes pour les écarter du passage. Ouh, j'ai trouvé une grosse boule de bowling. Zeg! Bien vu, Zeg. Je me demande si ça va rouler. Essayons de le prévoir. Si on pousse cette boule de bowling, tu penses qu'elle va rouler? Bon, d'accord, on va voir. Ça roule! Oui! Joli coup, les amis! La boule de bowling a éjecté le premier garde géant. Mais il en reste encore deux qui nous empêchent de passer. Blaze, peut-être qu'on peut faire rouler ce gros cube en bois. Toi, qu'est-ce que tu en penses si on pousse ce cube? À ton avis, est-ce qu'il roulera? On va bien voir. Non, le cube ne roule pas. On va chercher autre chose. Hey, cette grosse pierre que j'ai trouvée, ça fera peut-être l'affaire, non? Excellente idée, Darrington. Si on pousse cette grosse pierre, tu penses qu'elle va rouler? Bon, eh bien, on va voir ça. Oui, la pierre roule. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul garde géant. J'ai quelque chose. Mais je me demande si ça peut rouler jusqu'à lui. Oh, alors ça va être une grosse, une énorme pastèque. Prévoyons ce qui se passera. Si on pousse cette pastèque, à ton avis, elle va rouler? Essayons, on va voir. Elle roule! Adieu, garde géant! Personne ne peut plus m'empêcher de remporter la course! Oh, c'était quoi ça? On a gagné la course! Nom de fer à cheval! Regardez ça! Le couvercle du paquet cadeau doré se soulève! Wow, le paquet s'ouvrit! On va enfin savoir ce qu'il y a à l'intérieur! À l'intérieur, il y avait plusieurs cadeaux et chacun de nous en a un! Bon, allons-y! Il est temps de les ouvrir! J'ai un bâton sauteur! C'est ce que je rêvais d'avoir! Moi, j'ai une fusée en modèle réduit! Exactement ce que je voulais! Chou! Oui! Un beau lasso tout neuf! Un trampoline!
trampoline. Wouhou! La classe! Oh, un petit dinosaure. Un skateboard. Un éléphant en peluche. Une guitare électrique. C'est fou! Dans le paquet cadeau doré, il y avait le cadeau que chacun voulait. Pour donner à nos pneus le pouvoir d'une fusée, dis pouvoir de fusée. Pouvoir de fusée. Sont à nos trousses. Ne t'en fais pas. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Il nous suffit de les piéger avec quelque chose qui colle. Oui, on peut utiliser l'adhérence. Regardez ça. J'ai du ruban adhésif et un ballon de basket. Lequel est collant? Le ruban ou le ballon de basket? Le ruban adhésif, oui. Un des drones lanceurs est resté collé au ruban adhésif. Mais il reste encore des drones lanceurs qui nous poursuivent. Vite, il faut qu'on trouve autre chose de collant. Voyons voir. J'ai avec moi un trombone et une bouteille de sirop d'érable. Lequel des deux est collant? Le trombone ou alors le sirop d'érable? Le sirop d'érable, oui. C'est l'heure de la... À présent, il ne reste plus qu'un drone lanceur. Wow! Pour arrêter le dernier drone lanceur, on peut utiliser de la colle ou de l'eau. Lequel des deux est collant? La colle ou alors l'eau? La colle, oui! Tu as arrêté tous les drones lanceurs. Oui, et voilà la ligne d'arrivée. Oh oh, mais regardez ce crocheur. J'y suis presque, j'y suis presque. Il ne nous reste qu'une seule chance de gagner. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive des pneus fabuleux. Wow. Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Le gagnant est... Blaze! Oui! Wow! Maintenant qu'on a gagné la course de la montagne céleste, comment va-t-on fêter notre victoire? Oh, je viens d'avoir une idée. Que diriez-vous d'utiliser nos pneus fabuleux pour fêter la victoire avec le pouvoir de la glace?